Bonjour, aujourd'hui on va faire numéro 5, page 162. Il dit, trace un segment MM de longueur 6 cm. Première étape, on trace ce segment de longueur 6 cm. S'appelle MM. À l'aide de la règle graduée, on trace ces segments. Des extrémités M et N. Ensuite, place à l'aide de ton compas, on utilise la compas, un point P. On va tracer un point qui s'appelle P, tel que 1P égale 4 cm, la distance entre M et P est égale à 4 cm, et 1P égale 5 cm. Comment on utilise la compas? Premièrement, on trace un P est égal à 4 cm. On ouvre la compas 4 cm sur la règle graduée. Puis, on va tracer un P. Donc, on met le compas au point M et on trace la première arc. Et un P égale 5 cm. Donc, on ouvre maintenant la compas 5 cm sur la règle graduée. Puis, on met la compas sur l'extrémité N et on trace la deuxième arc. L'intersection entre ces deux arcs donne le point P. C'est le point P. Place un point Q de manière que le quadrilatère soit un parallélogramme. Le quadrilatère soit un parallélogramme, c'est-à-dire MNPQ soit un parallélogramme. Donc, on relie M avec P. Ensuite, on mesure la longueur de segment MP. On met la compas sur la troisième sommet et on trace un arc. De même manière, on mesure la côté MN. On trace, on met sur la compas sur la troisième côté et on trace deuxième arc. L'intersection entre ces deux arcs donne le point Q. Donc, c'est le point Q. Maintenant, on relie Q avec N et Q avec P. On obtient un parallélogramme. C'est numéro 5, page 162.